on confirme, la police locale l'a aussi confirmé. Donc Eugène Terre-Blanche a été retrouvé assassiné cet après-midi dans sa ferme, dans la province du Nord-Ouest. Il a même été battu à mort, en fait, avec des machettes et avec des bâtons. Son corps a été retrouvé autour de 18h. Il a été emmené à la police, mais il est mort, en fait, avant d'arriver au poste de police. Il semble que ça soit une querelle à propos de salaire avec ces deux jeunes de ses employeurs, deux jeunes ouvriers agricoles de 16 et de 21 ans qui l'auraient battu à mort alors qu'il était endormi. Plusieurs partis politiques aujourd'hui ont déjà réagi, plusieurs responsables ont déjà réagi en se demandant si l'attaque n'était pas motivée racialement et si c'était seulement une querelle de salaire. En tout cas, aujourd'hui, on attend évidemment plus de précisions.